si Zemmour ne racialise pas la société, qui la racialise dans les Traoré, par exemple, aussi. Non, mais on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Mais les Traoré, ils ne vont pas se présenter à la présidentielle. Mais alors, je te parle de. Ce serait notre copain. Ce serait notre futur. Ce serait notre potentiel. Et t'as un goinf aussi. Ce serait plus qu'un copain aussi. Ce serait notre futur potentiel président. Salade Tomate Oignon, l'émission qui découpe l'actu, présentée par Camille Abderrahman. Il faut dire quelque chose déjà d'important, c'est-à-dire que déjà Éric Zemmour va être candidat, ok ? Sinon, ce n'est pas CNews qui l'a arrêté, c'est lui qui s'est arrêté. Parce que si tu n'es pas candidat et que tu sais que tu ne seras pas candidat, on peut dire, bah écoutez, décomptez ce que vous avez envie de décompter, d'accord ? Moi, je reste où je suis, de toute façon, ce n'est pas très grave. Il est en train de chercher les parrainages, moi qui ai dépassé les 50 premiers parrainages, on a des échos. Dans le territoire de gens qui vont chercher les parrainages pour Éric Zemmour. Vous allez chercher dans les mêmes mairies. C'est-à-dire qu'il va faire notamment les mairies qui ne sont pas encartées, je pense. Il va faire les mairies qui ne sont pas encartées parce qu'il sait que sinon il va se retrouver avec des difficultés. Maintenant, la réalité, c'est quoi ? C'est qu'il faut le dire, Éric Zemmour est une personne qui est raciste, xénophobe, sexiste, homophobe. Il faut le dire, d'accord ? Il a été condamné pour haine religieuse, il a été condamné pour haine raciale. Même la chaîne CNews, par rapport à ses propos, a reçu une condamnation de plus de 200 000 euros. C'est quelqu'un à qui on donne les médias au quotidien. Depuis qu'on a expliqué son truc de CSA, il faut savoir qu'il a fait plus d'une dizaine de plateaux partout, c'est-à-dire entre Bourdin, entre Cyril Hanouna. Il est systématiquement à l'antenne. On fait la semaine, on fait la journée par rapport à ce qu'il a pu dire. C'est-à-dire qu'on a donné du crédit à quelqu'un qui, en réalité, on ne sait même pas ce qui pèse dans la réalité. On sait simplement les audiences de CNews qui sont autour de 200 000, 250 000. Mais il est donné à 10% dans les sondages. C'est 800 000. C'est 800 000 tous les soirs. C'est pas 200 000. Ok. Moi, j'ai donné à 10% dans les sondages. Mais t'as raison, c'est pas noté. J'ai été aux Grandes Gueules. Louis Boyard, il est actuellement aux Grandes Gueules. Les Grandes Gueules, c'est quasiment 1,5 million de personnes qui sont à la radio. C'est pas pour autant qu'on pèse 1,5 million de personnes. Bien sûr, j'ai pas dit ça du tout. Mais juste, faut pas mentir. Oui, il a commencé à 300 000, 800 000. Ça, c'est de la flûte. C'est avec les rediffusions, etc. Non, c'est faux, c'est en direct. Il fait pas 800 000, d'accord, non, c'est les audiences. C'est pas le sujet, c'est peu importe. Ok, j'ai fait les grandes gueules plus tard. Peu importe, faisons. Et il parle au président de la République. La question, elle est pas sur le temps d'antenne ou quoi que ce soit. Mais la réalité, c'est que cette personne-là, en fait, elle a été condamnée en justice. Elle ramène un discours qui est un discours xénophobe, en fait. Il est en train d'expliquer qu'il y a toute une théorisation du grand remplacement. On a parlé du Covid, on a parlé d'inégalité sociale, on a parlé de gens, 50% des personnes issues de l'immigration sont mortes ici en France du Covid, en fait. Il y a des réalités, c'est-à-dire qu'on a parlé de salaire, on a parlé de licenciement et autres, et on est en train de parler de quoi ? De sécurité et d'immigration. C'est pas un problème, c'est pas un problème. Non, c'est pas un problème. Il y a une attaque gratuite par jour. C'est un problème pour les racistes. 130 attaques au couteau. T'es un menteur. C'est un problème. T'es un menteur. La plus grande violence, elle est sociale. C'est pas vrai. Quand tu es poignardé dans les rues de Paris, c'est pas. Qui se fait poignarder ? 130 par jour. Oui, c'est ça. 130 par jour. C'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. 130 qui se font poignarder. De la part de qui ? Mais ça, c'est. On parle de la sécurité. Mais gars, on parle de la sécurité. Tout le temps des statistiques qui sortent de nous. Ouais, non. Jamais tu m'as pris encore sur les statistiques. Oui, c'est ça. Bien sûr, il y a l'article du Monde. Vas-y. 1000 attaques. 1000 attaques gratuites par jour et 130 attaques au couteau. Et donc tu parce que la sécurité, c'est plus important. Non, et donc parce que quand c'est poignardé, c'est plus important. Ce sont des personnes qui m'ont parlé de sécurité. Il y a un problème de sécurité. Tu m'as dit que c'est pas un problème de la sécurité. Tu m'as dit qu'il n'y a pas de problème de sécurité. J'ai jamais dit ça. Il a jamais dit ça. Ce n'est pas la question centrale. D'accord ? Si, quand c'est poignardé dans les rues, c'est très central. Mais arrête ! On vit tous en France. 360 attaques gratuites par jour. C'est pas important. Baisse le ton. Dis-le, c'est toi qui va poignarder les gens. Là, mais ouais, personne qui s'est fait, enfin dans la rue, s'il y en avait 130 qui se faisaient poignarder par jour, on pourrait être un petit peu témoin. Anas, s'il te plaît. Zemmour est une personne qui revendique même le fait que quand il y a des femmes qui se font agresser, c'est parce qu'elles l'ont cherché. Oui, jamais de la vie. Zemmour revendique justement la violence, l'autorité. C'est quelqu'un qui revendique Bonaparte. L'une des personnalités les plus sombres. Vaut mieux revendiquer. Tu veux aller en plus Staline, t'es pour Staline, démarre.
insiste, c'est encore pire. Attends, vous entendez pas comme ça quand c'était le Covid. Laissez Alexis parler, ensuite vous allez lui répondre. Moi je gérais les débats. Vous supportez, vous suivez. Là, ça t'échappe un peu, excuse-moi. Vous êtes pour Éric Zemmour, d'accord, qui va s'occuper de la sécurité. Maintenant depuis le problème. Non mais, le problème. C'est politique. Juste simplement. Voilà ce qu'il disait en 2010. Les employeurs ont le droit de refuser des Arabes ou des Noirs. Il a été condamné pour ça, provocation à la discrimination. Le problème de Zemmour, c'est qu'il est raciste. Qu'il est sur la discrimination. Ça, c'est la diffamation, par exemple. Non. Bah, je suis désolé. Il a été condamné pour ça, donc c'est pas une diffamation. Une fois, il n'a pas fait appel. Toutes les autres fois, il a été relaxé. Il a encore été condamné. Sinon, c'est des délits d'opinion. Et comme tous les rédacteurs, laisse les gens parler. Laisse les gens parler. Il a été condamné ensuite en 2016. Laissez Alexis terminer. Ensuite, le CSA a condamné CNews à 200 000 euros, etc. Là, il y a encore un truc sur les mineurs isolés. Non, mais bon, le problème de Zemmour, c'est qu'il a un discours raciste depuis des années et qu'il y a une complaisance par rapport à ça. Et on en parle sans venir à la racine du mal, le racisme, qui n'est pas une opinion, c'est un délit, bordel. Et là, non, mais j'ai l'impression d'avoir Miss France à côté. Mais putain, c'est pas Miss France, je te parle de la loi. Oui, la loi, on a il a des lois contre condamné, on a fait la des lois fait, contre la liberté d'expression. En France, il y a des lois contre la liberté d'expression. Et donc vous, ça vous fait pas chier qu'il y ait un candidat à la présidentielle qui soit ouvertement raciste? Mais il est pas ouvertement raciste, parce qu'aujourd'hui, en fait, dans le mot racisme, on a mis tout et n'importe quoi aujourd'hui. Mais un employeur a refusé des Arabes et des Noirs. Je peux parler aussi politique. Moi, je peux pas l'afficher. Si Zemmour, si je défends la liberté d'expression depuis que je viens sur ce plateau. Tu défends pas la liberté d'expression. Tu défends la liberté de quelqu'un qui a été condamné en justice à qui on a Mélenchon a été condamné par la justice. Mélenchon a été condamné. Mélenchon a été condamné par la justice. Non, pas du tout. Tu attends, s'il te plaît, Anas, tu attends, je te jure que tu vas attendre. À part si Zemmour ne racialise pas la société, qui la racialise dans Les Traoré, par exemple, aussi. Non, mais on s'en fout. Mais les Traoré, ils vont pas se présenter à la présidentielle. Mais alors, le président. Je te parle de. Ce serait notre futur. Ce serait notre futur. Ce serait notre potentiel. Ce serait notre futur potentiel président. Quand t'as un président qui dit. Qu'on peut pas appeler nos enfants comme on veut, que justement, on aura sûrement plus le droit de mettre le voile dans la rue. Et qu'est-ce qu'on fait aussi pour les homosexuels? Parce qu'on sait très bien qu'il y a un gros problème avec les homos. Les homos, ils n'auront plus le droit de se tenir la main dans la rue. Est-ce que je peux en placer une? Donc moi, je suis finalement, j'ai l'impression d'être moins impliqué que vous. Il se passera rien avec Zemmour. Faut se détendre. Le buzz, vous le faites là. Bien sûr. Il se passera rien. Il a le charisme d'une huître. C'était ma conclusion. C'est merci, un bon éditorialiste. Il est pertinent. C'est même parfois assez intéressant de l'écouter. Mais faut se détendre. Moi, ce que je crois, c'est que c'est pas une très bonne nouvelle. Parce que c'est quand même quelqu'un qui est clivant et qui est un peu stigmatisant sur certaines franges de la population. Et moi mon problème c'est de reconstruire les hôpitaux et quand j'écoute Zemmour j'ai le sentiment que c'est pas sa préoccupation première et c'est pas une très très bonne nouvelle. Et je pense que tu vois c'est un peu le même débat que tout à l'heure, on est un peu la génération CNews, RMC machin, et là on est en train de se demander si Zemmour il va pas casser la baraque parce qu'il fait une émission sur CNews. Faut se réveiller hein. Je dis ça avec du respect hein. Alors sur ça déjà il y a plusieurs choses. Alors le fait que Zemmour sa candidature fonctionne ou pas, ça seul l'avenir nous le dira. C'est pas le problème. Non mais voilà, en plus c'est même pas le souci à la rigueur. C'est d'arriver c'est d'arriver en tant que candidat potentiel avec des idées comme les siennes. Elles ont été portées par d'autres avant lui. Une phrase en plus concernant les idées. Tu parles des hôpitaux. Pétain. Tu parles des hôpitaux. Vous parlez de crise sociale, etc. Mais attendez, Éric Zemmour, s'il se présente, il aura un programme. Et là, on pourra attaquer programme contre programme. Et ben, c'est vrai. Je finis. Éric Zemmour, s'il se présente, il aura un programme. Et là, vous pourrez attaquer point pour point contre programme. Et surtout, il y a un truc aussi, c'est que là, s'il y a eu un souci dans la présidentielle de 2017. S'il y a un souci, si les gens ne vont plus voter, s'il n'y a plus de débat de fond et qu'on caricature et qu'on gueule. Là, moi, je suis premier à avoir gueulé, t'as raison, c'est vrai, donc j'étais premier à avoir élevé la voix, etc. Mais si vous voulez que la présidentielle et que les gens s'y intéressent et que les gens aillent voter. Il faut débat d'idées et stopper les trucs. Oui, mais est-ce que tu peux comprendre? Tout comme si moi, je suis face à un mec. Grosso modo, et directement.
bam, extrême gauche, racialiste, nanana. Et ben, que tu fais des... Stan, je t'explique un peu. C'est Garen qui le fait, pas moi. Stan, toi, en tant que personne qui soutient Zemmour, tu ne reçois pas de violence en pleine gueule. Moi, quand j'ai un mec qui veut se présenter, qui veut se présenter au présidentiel et qui est en train de me dire, en gros, que moi je suis pas français par rapport à mon prénom, moi c'est une violence, et ben moi, ça peut être la, c'est la, je la reçois oui. exactement comme un écrasement de tête contre un trottoir, c'est la même chose. Ah bah si, un écrasement de tête contre un trottoir. Mais Garen, tu t'en rends peut-être pas compte. Mais tu t'es jamais fait écraser la tête contre un trottoir alors. Tu t'en rends peut-être pas compte. Calme-toi, il vit dans un imaginaire qui s'invente, tout va bien pour toi Garen. C'est ultra violent, c'est comme quand voilà, Éric Zemmour il reste toujours calme, il dit toujours oui, est-ce qu'on peut parler calmement. Mais le gars, il est en train d'insulter des millions de personnes, des gens. Si vous connaissez l'histoire de France, qui sont battus pour la France, Camille, qui ont fait plein de choses. Donc c'est un discours qui est très difficile à recevoir. C'est pour ça qu'on reste pas calme. Alexis, je te jure. Pour 35 secondes et il y a le chronomètre. Il devrait être prof de fac d'histoire. Juste pour dire calmement, le programme de Zemmour, quand il en aura un, c'est un programme bourgeois. On connaît déjà les peu les sorties qu'il fait à la télé. C'est quelqu'un qui est anti-ouvrier, qui est contre la classe ouvrière. Classe populaire de manière générale. C'est quelqu'un qui, au-delà des condamnations, quand même dans les choses qu'il a pu déclarer, il a renvoyé dos à dos, par exemple, les Mohamed Merah et les personnes qui ont été assassinées, oui. les enfants juifs, juifs sous ouais. prétexte qu'ils soient enterrés en France, ouais. mais enterrés à l'étranger. Il a dit que de toute façon, ça concernait pas mais la France. Mais vu qu'il l'intellectualise, cette pensée totalement tordue, eh ben aujourd'hui, on nous dit qu'on peut l'écouter, on peut l'entendre, on peut la recevoir. Alexis, donnez les condamnations. C'est un super important. Voilà. C'est un édito de Jacques Rancière qui date de 1997. Cette règle pour aider à la diffusion des idées racistes en France, c'était avant Zemmour. Hein. Tout simplement, ce qu'on fait ce soir, c'est qu'on aide à la propagation des idées racistes. Oui. C'est pour ça que je reviendrai toujours. Quand on parlera de Zemmour, à cette déclaration de 2010, un employeur a le droit de refuser des Noirs et des Arabes. Il a été condamné pour ça. Il y a eu d'autres condamnations. Je les ai rappelées. Et il faudra toujours les rappeler. Une seule fois. De toute façon, il faut revenir à ça. Parce que vous pouvez être d'accord avec lui, mais soyez aussi conscient qu'il est raciste. Point. Voilà, mais, c'est tout, exactement. Et moi, j'avais pas fini avant Alexis. Alors, vraiment, on a parlé des condamnations déjà. On a parlé des condamnations. T'es son attaché presse maintenant, quoi. C'est mon pote. C'était ton petit avant. Laisse-le à sa place. On a parlé des condamnations déjà qui sont sorties. Mais il y a aussi, je crois, 8 femmes qui ont porté plainte. Parce que justement, c'est quelqu'un qui est profondément misogyne. Quand elles ont entendu qu'il était candidat. Des histoires qui datent de la 15 ans qui ressortent. C'est pas comme s'il était à la télé tous les jours. C'est marrant, il est candidat par sortir. Mais c'est quelqu'un qui a fait des sorties qui sont misogynes en expliquant que les femmes elles peuvent pas aspirer à des positions de pouvoir parce qu'elles sont moins intelligentes avec moins de caractère, etc. Il est plus intelligent que ça, il dit que c'est la réalité. Arnaud, ce qu'il a dit, ça sera du vent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a réussi à créer le buzz en faisant croire qu'il y a des gars comme Stanislas qui, un jour, ils se sont réveillés, ils ont pris Photoshop leur PC, ils ont mis un gars sur une tête. Je suis candidat à la présidentielle 2022. Beaucoup plus beau sur la photo quand je sais à quel point c'est difficile. Je sais à quel point c'est difficile de rassembler des moyens, de rassembler des gens, etc. pour pouvoir faire ces choses-là. Donc c'est complètement faux de faire croire qu'un éditorialiste, on l'a mis comme ça en scène et que comme par hasard, il est candidat. Dans le fond du discours politique de Zemmour, voilà, qu'est-ce que tu penses qu'aujourd'hui en 2021 on puisse avoir quelqu'un qu'on puisse accepter, qui puisse se présenter déjà, je vais vous demander un peu de civisme et essayer de ne pas m'interrompre, c'est le principe d'un débat. Déjà, j'aimerais dire une chose, c'est que moi je pense que Zemmour est raciste, et surtout sur le fond, parce qu'en gros ce qu'il explique, c'est qu'il y a plusieurs civilisations et que vous appartenez à cette civilisation en fonction de votre nom, de votre couleur de peau, c'est vague. Mais en gros, en fait, ce qu'il explique, c'est que en fonction de l'endroit d'où vous venez ou de ce que vous êtes, vous n'appartenez pas à la même communauté que les autres. Et ça, pour moi, déjà, premièrement, je trouve ça raciste. Et deuxièmement, et c'est ça que je trouve le plus frustrant, c'est que cet imaginaire-là, on a l'impression qu'il vit dans un clip de rap, quoi. Cet imaginaire-là et tous les thèmes de campagne qu'il va donner, mais ça va empêcher de parler du fait qu'il y a 10 millions de pauvres dans ce pays, que dans 40 ans, l'humanité va connaître la plus grande crise qu'elle ait jamais connue depuis son existence, que les écoles sont surchargées. Enfin, et ce que je veux dire, c'est que à inventer cet imaginaire-là et à constamment le rabâcher et à surfer sur le moindre fait divers pour pouvoir exister politiquement, il fait du mal aux gens parce qu'il empêche de parler de sujets qui, moi là, les gens qui viennent pas des plateaux télé ou qui viennent pas des grands lycées du 16e arrondissement, des trucs
qui font qu'on se désintéresse à la politique parce qu'on n'entend jamais parler de nous. On va se demander si les racistes sont pas, seulement, on va éviter de non parler seulement, de eux. Il faut sortir cet imaginaire et aller peut-être un peu se promener en ville et aller discuter avec les gens et se rendre compte que non, c'est pas parce qu'une personne s'appelle Mohamed ou parce qu'elle porte je sais quel chapeau qu'elle appartiendrait à une autre civilisation, ça n'existe pas. Et il faudrait aussi peut-être se dire qu'il y a peut-être d'autres sujets dont il faut parler. Civilisation dans ce cas-là. Oui, vas-y, je t'en prie, Arnaud. Tu peux y aller. Merci à tous. Je t'en prie, merci beaucoup à toi, Arnaud. On reste en contact. Merci pour tout. Bah, on voit c'est qui son préféré en tout cas. Merci pour tout. Quand j'étais rien, il m'a défendu. Ah oui. Ah ouais. Merci. Je suis toujours rien. Reste là, reste là, reste là. On finit, 10 minutes, allez, arrête. C'est bon. T'as juste un Insta Génération Z, t'es pas non plus. On se calme. Il est pas encore président, ton papa.